Bonjour, bonjour. Comment ça va? Bah moi ça va pas parce qu'il fait moche. Et j'aime pas quand il fait moche, ça pue du cul, la moto est dégueulasse. Mais bon, tant pis. Est-ce qu'on peut parler? De quoi on peut parler aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous intéresserait comme sujet? Hein? Parce que je ne suis pas excessivement fan des Daily Ops où il n'y a pas de sujet derrière et on peut parler de plein de choses. Déjà, j'ai de la buée. Hein, on peut parler, tiens, de... Est-ce qu'il est possible de n'être que 100% motard, de ne plus utiliser sa voiture? Pourquoi? Oui? Non? Comment? Quel avantage? Désavantage? Voilà. Alors, de mon point de vue... Oula, c'était très fort, ça. Si ça sature pas, c'est... Oui, de mon point de vue, c'est possible. C'est clairement possible, il y en a qui le font, il n'y a pas de souci. Maintenant, les désavantages, c'est quoi? Eh ben, c'est quand il fait stand de... Et comment on peut pallier à ça? On peut pallier à ça avec des équipements de pluie, par exemple. Il existe des combis intégrales anti-pluie qui sont extrêmement moches, soit, parce que c'est souvent... On a l'impression qu'on va pêcher. Mais ça se fait très bien. Ensuite, ce qui peut être chiant, c'est en hiver. Alors bon, quand il neige, je vous cache pas que ouais, ça devient chaud. Quand il neige, c'est chaud. Par contre, ce qui est faisable... Attendez, je vais regarder que j'ai toujours... Oui, faut que je ferme ma porte parce que... Ma porte, ma poche. Parce que je... attends, j'ai un doute. Ouais, non, c'est bon, il est toujours là. Hop. Oui, en hiver, quand il y a de la neige, je vous cache pas, c'est chaud, neige, verglas, ouais, c'est chaud, il n'y a pas vraiment trop de solutions, parce que vous avez que deux roues, pneus neige pour moto, pas sûr que ça existe, hein, donc vous pouvez opter pour des pneus le plus possible polyvalents, mais bon, tendu. Et sinon, pour le reste, c'est quoi les désavantages d'être à moto? C'est qu'on n'a pas de coffre? Oui, c'est possible, encore que, il existe des sacoches cavalières qui font très très bien le travail, voilà, avec un sac 30 litres par-dessus, il n'y a pas de problème. Donc, après, c'est quoi? Oui, vous pouvez rouler K2. Si vous voulez emmener quelqu'un, il faut un casque absolument. S'il pleut, bah, vous êtes mouillé, un peu comme moi en ce moment. Par contre, les avantages, c'est pas cher. Enfin, c'est pas cher. En fonction de la moto que vous prenez, c'est pas cher. Parce que ça tourne à 3 litres au 100, je me gare où je veux, je paye pas de parking. Alors, je me gare où je veux, dans la limite où ça gêne pas. Hein. On va pas faire rester con. Donc oui, il y a des petits stratagèmes... à gérer, mais c'est largement faisable. Les petits soucis que vous aurez, ce sera en fait juste du confort. Tout le reste, c'est du kiff. Voilà. Après, oui, bon, bah, c'est sûr que c'est un peu plus dangereux que la voiture, mais j'ai envie de vous dire, on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit. Bon, tu pousses ton truc de... Ça devient chiant. Ça devient chiant. Pas mal, cette petite bébête, là. Allez, yes, c'est morieux. En fait, la moto, c'est juste chiant. Et encore chiant quand il pleut à verse, quand il pleut là comme ça, c'est pas... Quand il pleut comme ça, c'est pas la fin du monde, quoi. Après, ça dépend des trajets que vous faites, mais le plus... En fait, le plus... Attendez, je vous essuie la fratte. Le plus important, en fait, c'est d'être équipé. Si vous êtes équipé, alors c'est tout con, mais le jean, vous prenez un jean classique, ça vaut rien, en fait. Prenez un jean de moto, déjà il est beaucoup plus épais et vous ressentirez beaucoup moins le froid. Qu'est-ce que tu fais, hein? L'équipement, c'est le plus important. C'est pour ça quand je vois les petits jeunes là, qui roulent en... Alors en fait le truc est marrant avec quand je dis les petits jeunes, c'est la plupart ceux qui sont en 50 dans ces eaux là. C'est marrant parce que où ils sont full équipés, des trucs que même moi j'ai pas, ou alors il n'y a rien du tout. Ouais, non, il faut s'équiper le maximum. Je sais qu'il y a sûrement pas mal de jeunes qui me suivent. J'aime pas faire le vieux daron et compagnie, mais les gars, équipez-vous en fait. C'est vraiment, vous n'avez pas l'air plus con qu'un autre. Et le jour où vous vous latez, eh ben, ça vous évitera des trucs pas beaux. Et en fait, vous vous direz pas forcément, ouais, non, aujourd'hui je vais pas me latter. Bah oui, bah, forcément, personne se dit ça. Et ouais, non, l'équipement, vous pouvez trouver des bons plans. Hein. En Allemagne, ça vaut le coup. Vous pouvez trouver sur internet des réductions intéressantes. Tout ça, quoi. Moi, adieu le bordel. Toi, tu viens d'aller chez Kuhn. Ça, c'est tout neuf ton truc là. Il fait pas beau, il fait pas beau. J'aime pas ce temps flingué. Ça pue du cul, du cul, du cul. Je n'arrive pas à faire pas beaucoup de bruit.
tout en douceur. Yep. Et tout en silence. Impeccable. Parce que j'en peux plus de la pluie. Et ça, c'est un des avantages de la moto. Moyen. Allez, pas bouger, hein, tu restes sage. Yep. Feu rouge. Maintenant. Oh là 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 là. Bon, ok, celui-là j'ai un peu cheaté, j'ai attendu qu'il soit vert. Les coronets qui collent, c'est dangereux. C'est la merde quand il pleut, c'est la merde. C'est la merde quand il pleut, c'est la merde. C'est la merde quand il pleut. 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 Ouais, je sais, je chante. Et pas forcément juste. Je chante. Oh non, pas lui. Na 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 na. Ah p'tain. Na na na. Ça y est, je l'ai dans la tête. Allez, rouge piéton. Je sais, rouge piéton. Mais je m'en fous du rouge piéton. Moi, je veux vert moto. J'ai envie de ressentir ce que ressentent tous les Pères Noël. Ah, c'est joli, ça vaudrait tellement de photos. Salut toi. Ah mais il y a plein de monde en fait. Oh, ça sent le vin chaud. Oh, je suis heureux. Oh là 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 là, j'adore ça, j'adore. Je suis heureux.